Bonjour. La communauté locale de Sainte-Pezenne, qui anime la vie chrétienne de notre quartier, est heureuse de vous accueillir dans sa petite église du XIIe siècle. Tous les premiers dimanches du mois, une équipe anime l'Eucharistie. Et le troisième dimanche du mois, une assemblée de prière où la communauté se rassemble pour écouter et échanger autour de la parole de Dieu. Échange toujours riche, où nous construisons notre fraternité. Pour le temps du carême, nous avons décidé de nous retrouver les vendredis midi pour réfléchir sur le thème du pardon. Là encore, rencontre riche et fructueuse qui nous rapproche. Notre communauté participe aussi à la vie de la paroisse et par exemple, une cérémonie du Vendredi Saint aura lieu ici même le 15 avril à 18h30. En ces temps troublés, nous entendrons dans le psaume 43 le chant d'une âme abattue face au mal, mais aussi l'espérance en Dieu qui sauve. Écoutons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 18, les versets 28 à 40. Nous pouvons demander la grâce d'une oreille attentive, une oreille de disciple qui se laisse enseigner. Entrons dans ce moment où Jésus est conduit devant Pilate par un groupe de Juifs hostiles décidés à le perdre. Et laissons-nous toucher par sa manière d'être et d'affirmer sa royauté, sa manière de témoigner de la vérité. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque.
Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui, mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors, de nouveau, tous s'écrièrent « Non, pas lui, mais Barabbas !» Or, Barabbas était un brigand. Chacun, là où nous en sommes, nous pouvons prendre le temps d'accueillir ce moment de la vie de Jésus dans un temps de méditation partagée ou silencieuse dans cette église ou là où vous êtes chez vous. Moi, ce qui me touche le plus, c'est l'humanité de Pilate. Il reste un peu au roi des Pâquerettes, c'est un païen, il ne comprend pas les Juifs. Mais il essaye de soutenir un peu le Christ en face de ceux qui l'accusent. Moi, je suis frappé par la question concernant la vérité. C'est la parole de Jésus, mon royaume n'est pas de ce monde, qui me touche et qui n'est pas comprise à ce moment-là par les uns et les autres. Moi, c'est quiconque est de la vérité, écoute ma voix. C'est pas très clair pour moi. Moi, je suis touchée par la phrase « Je suis née » et je suis venue dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. L'idée du royaume qui n'est pas de ce monde, car sinon il aurait des serviteurs qui auraient combattu pour lui. C'est un royaume de paix, le royaume du Christ. Oui, c'est la même chose que je vois dans cette scène, dans ce moment. Donc le Christ qui est homme de paix face à des hommes de pouvoir, que ce soit les Juifs qui sont là, donc ceux qui sont en position d'autorité, que ce soit Pilate, qui a lui l'autorité de l'occupant romain et qui ne veut pas se mettre à dos les responsables de la communauté juive. Il ménage ses intérêts. Au-dessus de la nature et de l'homme.
tout de suite.